Donc le yo comme ça. Hey! Yo! Okay. Donc on se retrouve avec Marie, bonjour, qui est ma colocataire, que vous avez déjà vue l'année dernière en vidéo avec des challenges pas très... J'étais brune, donc... Oui déjà. Voilà, non, je suis blonde. Et puis les challenges, on va dire, qui ne mettaient pas trop en valeur. Non, 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 non. En fait, soit je fais soit je viens bouffer. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on revient avec une dégustation. Parce que ça y est, je baise assez dans le game pour être contactée par des dégustations. De la Wobox. Voilà. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de trucs à goûter. Ceux qui sont ici sur Snapchat, ce sera en barre d'infos. Vous avez déjà vu un peu ce qu'il y avait. Et nous, on a hâte de commencer. En fait, on a vraiment très très hâte. On a faim surtout. Clairement, clairement faim. En barre d'infos, je vous mettrai un code de 10% sur la prochaine box que vous commanderez vous, qui est valable jusqu'au 30 avril. Donc c'est en barre d'infos, allez cliquer pendant que nous on mange. Voilà, ouais. Alors, tu veux commencer par quoi? Est-ce qu'on commence par un ordre assez logique, genre salé sucré, ou on s'en bat les couilles et on fait nam 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 nam? Je sais pas du tout, je t'avouerai. Moi j'ai pas un palais de Top Chef, donc je m'en fous. Moi je passerais bien par quand même salé puis après sucré quand même. Donc on commence par ça? Oui. Allez. C'est des chips haricots verts. Ouais, c'est ça, c'est des chip beans. Ouais, chips haricots verts ou un truc comme ça, ou des flageolets. Non, c'est pas des flageolets? Non, je sais pas. Des chips, hein. Des chips, je sais pas quoi. Par contre, c'est vachement gonflé quand même, hein. Autant en France, on a 10% d'air, là, on en a 50, tu vois, enfin... Il y en a 4, nous en a tout cassé. Putain. Ça ne sent absolument rien. Genre rien. J'avoue que ça sent que dalle, quoi. On en vient, on en prend un chacun et on... On chine. Oui, on chine. Je swatch. Le voilà. Petit swatch. En fait, on dirait un Cheeto qui est resté genre pendant 3 ans sous ton canapé et que tu viens de retrouver. C'est exactement ça. Allez, chine. Chine. Ça a pas le goût de haricots verts. Ça a pas du tout le goût d'haricots verts, ça a le goût de... D'un Cheetos qui est resté sur ton canapé. Pendant 3 ans. C'est pas mauvais, mais on dirait un Cheetos genre diététique. Et encore. Un haricots verts. Diététique. Oui, enfin, qui n'a pas de goût en soi. C'est pas mauvais, hein. 119 calories pour 25 grammes. Ouais, en fait, ça n'a pas de goût, c'est calorique. Hein. Mais c'est quand même ça. Franchement, c'est bon. Enfin, mais des chips de potiron. C'est des V-chips. On mettrait F6 sur cette chaîne. Après, oui, le reste. Le reste, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas bons. Bon, après, c'est une forme de chips en fait, hein. Vous allez voir, mais c'est une tête de chips, clairement. Allez, attends, je prends une orange, parce que là, c'est qu'on... Voilà. Oui, elle est fine. Alors, moi, ça a que goût de graisse, hein. Ça a le goût de rien, en plus. Ça a goût d'huile. Oui, c'est ça. Ça a le goût d'huile d'olive. Enfin, pas d'huile d'olive, mais d'huile de friture, en fait. Oui, ouais. Donc, goût de l'autre. Ouais. Mais comme ça, là. Mais ça n'a pas de goût pour l'instant, c'est dommage. Enfin, c'est... Ouais. Tous les concepts sont originaux, mais rien de goût. Une chips. J'ai pas bouffé en fait. Je crois qu'on va bouffer nos calories de la journée. Non, mais clairement. Attends, trois chips. Il y a un autre style de chips. Si, 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 il y a un petit arrière-goût sur la fin. Ou alors c'est l'huile qui revient. C'est un truc d'oignon. Là, l'oignon, là. Ça, l'oignon, par. Oui. Et on va rencontrer. Ah bah on n'ira pas pécho après. Ces petites chips avant votre premier date Tinder. Voilà. Non mais en fait ouais, parce que les patates, bah oui, patates, franchement ça n'avait pas de goût. Potiron ça n'a pas de goût, mais alors oignon. Monsieur, potiron quand même ça a du goût. Moi je trouvais pas. Bah moi ça avait le goût d'huile d'olive. Hein. C'est dommage parce que les concepts sont bien enfin. En même temps, le potiron de base, ma mère a fait un gâteau potiron, ça n'a pas le goût. Hein. Pardon. Goût de potiron. Hein. L'oignon était là, on va dire. Ah oui, ça j'attendais. Oui. Bah finalement je peux le faire. Hein. Hey. Donc ce sont des chips de maïs, des potatoes de maïs, Pikachu. On a 4 paquets, ça c'est bien pour faire goûter à nos amis comme avant. En mode, tu veux goûter Pikachu? Ou là on emmènera qu'on ira chasser avec David et Lodi. Je pense que ça n'a pas de goût non plus. Non moi je pense que ça n'a pas de goût hein, en vrai. Je pense pas que ça a de goût. J'aimerais bien vous lire les ingrédients mais bon. Oh! Ça sent fort, je sais pas quoi mais ça sent fort. Je sais pas, regarde, vas-y, des ingrédients, regarde. Alors, hein? Regardons. Ça a un goût mais je ne sais pas quoi. C'est pas mauvais. Mais je sais pas quoi. Non c'est pas mauvais, c'est bon. Pour l'instant, je pense que c'est Pikachu forcément qui remporte. Hein. Pour le moment, ouais. On fait bon, il y a Pikachu dessus aussi, ça fait tout. Hein. C'est bien le potiron, ça y a. Mais non, mais mais. Et le dernier truc sucré, de salé, pardon. Alors, on sait pas ce que c'est. Des chips de truffe. À l'huile d'olive, apparemment. Ou alors, ce serait ça aux truffes.
à l'huile d'olive. Non, ça c'est des truffes. Ouais, non, mais ça, ce serait ça qui est dedans, les autres truffes. Oui, oui. L'huile d'olive. C'est l'huile extra vierge. Mais je pense qu'on va se faire l'huile de friture comme d'hab. D'accord, nous sommes sur l'écologie. Oui, parce que bien sûr, ils ont mis un truc comme ça pour les tenir, alors que machin se tient. Ils mettent un truc en plastique pour les tenir, très écolo, et ça se tient pas. L'écologie, c'est les 42. Hein. T'imagines, on faisait ça en France, un sachet plastique pour chaque chips. Attends, il y a encore un emballage plastique dans la chips. Et t'as une serviette et des couverts avec, dans chaque emballage. T'imagines. Chine. Ah, ça a le goût de champignon. À peine la langue dessus. Hein. T'as peine la langue dessus, ça goûte champignon. C'est pas mauvais. Ouais, mes champignons. Ouais, et ça, tiens. Tu vois, manger ça avec une salade ou alors avec de la soupe. Je pense que ça passerait bien. Mais avec de la soupe. Avec la soupe, ouais. Allez, la soupe. Je te propose de nous rincer le gosier déjà. Oui, avec. Milk. Moi je lis milk, mais c'est pas marqué milk. Ah oui, avec le packaging de fesses. De fesses ? On dirait des fesses, les. À l'honneur. Non, à l'honneur. Vas-y. Ok, d'accord, moi je vais mourir. For beauty, quand c'est marqué dessus. Non, la YouTube. Ça a pas de goût ? C'est de la pêche, quoi. C'est genre un danao. Ouais, mais en plus goût de pêche. Plus prononcé goût de pêche. Limite chimique, en fait. Je n'aime pas du tout, on dirait un médicament. Tu vois, c'est limite chimique. Ça a la texture d'un médicament, c'est. Et là, c'est 110 calories pour 200 ml. Ouais, bah la pabeille. Bon. Ensuite, le cholestérol. Là. Qu'est-ce qu'on a mangé ? Je crois qu'on avait très envie de goûter ça toutes les deux. Oui. Parce que ça, c'est le truc, je pense que vous voyez sur toutes les dégustations. Hein, donc on n'est pas très dans l'originalité là. C'est des Mikado glace à la fraise, j'ai l'impression. Glace à la fraise, comme ça. À mon avis, c'est goût chimique fraise et basta. Hein. Ouais, je pense qu'ils sont pas leurrés là-dessus. Hein. Et donc, du coup, c'est des Mikado. Oh, du plastique dans du plastique ? 3 plastiques ! Ah, imagine, il y en a qu'un à l'intérieur. 5 balles pour 3 plastiques. Ouais, donc je sais pas combien ça coûte, mais ça a pas abusé quand même, 3 plastiques comme ça. Les japonais, le recyclage, c'est peut-être propre dans mon métro, mais bon, c'est même plus les mécanos, c'est sabre laser à ce stade. Gros trucage. Chine. Oh la vache. C'est exactement ce que je m'attendais. De la fraise méga chimique. Ah, c'est ouf. Alors, déjà, l'enrobage, tu sens que c'est de la crème, sauce crème, à base de crème. Et ouais, ensuite, c'est de la fraise méga chimique. Niveau calories, combien ? Oh, mais c'est toi ! 86 calories pour 15 grammes. Le diabète. Ensuite, ce qui m'intriguait, moi, c'était ça. Oui, je pense que ça va être vraiment bon. Ouais, c'est du chocolat au thé, avec 54% de cacao. Alors, le packaging est... Donc, on disait que le packaging de base était mignon, il était cute, il me fait penser un peu à le thé là. Non, j'ai fait une connerie, j'allais dire Katsumi thé, c'est pas ça. Katsumi thé. Katsuni, allez, c'est parti. Enfin voilà, le thé de youtubeuse. Donc, à l'intérieur, c'est très casual, ça se porte avec tout, on est en automne. Mais c'est encore pas écologique. Du plastique, non, c'est du. Ouais, du papier. Non, c'est du plastique, hein. C'est du plastique papier en fait. Oui, voilà. Et en fait, un morceau de chocolat par truc. Je pense le partage. Ouais, mais ils ont prévu le sachet referma par contre. Une petite pochette. Non, mais il y a trois chocolats. Hein, c'est pas pour les pauvres, c'est pas pour nous, pour les pauvres, c'est pas pour les prolétaires, non, tu vois, c'est pour les youtubeurs qui ont plus d'un million d'abonnés. Non, mais ça, tu le défonces en une après-midi, y'a pas besoin de faire refaire même. Ah oui. Waouh. Alors attends, parce qu'il y a des mini carrés. Donc, genre, tu peux en dire, oh, j'ai une mini faim. Oh là là, les mini carrés. Ça serait bon. Le goûter de YouTube, ce goûter, be like. Oh là là. Oh là là, les petits carrés. Oh là, j'ai trop mangé. Bon, on a une routine. Eh ben, je ne sens pas du tout le thé et je suis très déçue. Ouais. Moi, je sens surtout le chocolat qui est pas noir, totalement noir. C'est un peu la déception. Oui. Mais pour nous réconforter, on a des croquettes de lapin. On sait même pas si c'est du sucré ou salé en fait. On sait rien. On sait juste que c'est Hello Kitty qui est dessus quoi. Est-ce que c'est pas du bœuf séché, genre de la viande avec marqué Befco. Bon, bah, je vais te le dire direct. Ouais. Hein. Quand on va ouvrir, ça va sentir. Hein. Je veux bien que tu goûtes en premier. Pas du tout. Tu sais ce que ça sent ? Ça sent les lime crime. Je te jure, ça sent mes liquid lipstick lime crime. Bah, c'est des trucs genre. Mais c'est des trucs genre des cacahuètes en bout de chocolat, ça. Je vais te dire. Le goût, c'est trop bon. Enfin, c'est trop bon. Ça se mange. Comme du riz soufflé avec du chocolat enrobé. C'est bon. Les céréales avec le Whistiti là, Kellogg's, mais injecté de gras à l'intérieur, quoi. Pour finir. Ah, c'est celui-là où il y avait des fesses dessus. Oui, là, il y a des fesses. Ça, il me semble que Elodie me l'a déjà fait goûter au popcorner parce qu'elle en avait plein dans son sac à l'over. Oh, regarde, tu veux quel goût. On a dit qu'elle dilait. Et des bonbons à la rose. J'ai envie de tester les bonbons à la rose. Oui, moi aussi. Tu n'auras pas le goût de rose, à mon avis. Et non. Et combien de calories? Oh non, mais ça, je suis 129 calories pour 32 grammes. Est-ce que c'est des bonbons ou des chewing gums déjà? Le dessin, il montre quoi? Je ne sais pas. Ça sent pas bon. Ça sent la bougie. Ça sent le hush.
Ça sent bien Kikandel. Ah oui, mais ça sent pas le manger. Ça me rassure pas trop, quoi. Ah oui. Intriguant. J'ai l'impression de bouffer du papier toilette. Pour le coup, elle a raison. J'ai l'impression de bouffer du PQ. Clairement. Le papier hyper parfumé de chez ta mamie. Ça. Ou alors, tu sais, quand t'arrives de quelque part, que les gens ont tellement mis de produits, de parfums et tout, t'as l'impression de le manger. Oui, c'est ça. Bah, maintenant, est-ce qu'on a déjà goûté de la rose? Non. Bon, on finit sur les culs, du coup. Hein? Bon, c'est sur le même thème. Donc, du coup, là, c'est des. Je pense que c'est des bonbons avec un milieu coulant à la pêche. Qu'est-ce que. Pourquoi y a-t-il une jeune femme avec un petit sabre? Elle a un caténa carrément dans le dos. D'accord. Ah. C'est les bonbons que tu bouffes avant de niquer les mères. C'est ça. Allons niquer les mères. J'ai mes bonbons. T'imagines la pub? Tu veux niquer les mères? Prends tes bonbons. C'est parti. La chine, le dernier chine. Je vais pas le croquer. Ah, même pas croquer, meuf. C'est de la gélatine. Ah non. Ça se mange même pas, en fait. Tu sais, ça me rappelle une mauvaise version des trucs que t'encaisses, t'as des pâtes de fruits, là, coupes en morceaux. Oui. Méga cher. Oui. Waouh. Alors là, la déception, elle est plutôt totale. Hein. Ça, c'est quand un goût te fait chier, tu sais. Tu lui donnes un moment. Rien, mâche. Pendant 3 heures. Donc là, vous allez vous regarder pendant 3 heures en train de mâcher, parce qu'il faut que la vidéo fasse 10 minutes pour mettre des pubs entre. Donc du coup, je vais profiter pour ce moment-là pour, voilà, pour mâcher. Bon, en fait, moi, ce que je trouve rigolo, c'est que, ouais, tu peux prendre ça, par exemple, t'as une soirée à thème ou autre. Tu commandes ça, ça fait une dégustation entre potes, tu vois, c'est rigolo. Bon, après, je t'avouerai que moi, j'y penserai pas parce que pour moi, les soirées, c'est apéro dilatoire, rillettes de thon que je fais moi-même. Mais voilà, tu vois. Si t'es fan de la culture japonaise, comme beaucoup de personnes le sont, tout ce qui est manga et tout, c'est une bonne alternative pour pouvoir t'offrir les produits qui viennent de là-bas, quoi. Moi, j'ai bien aimé les trucs au truffe. Franchement, ça, c'était cool. Bah, en fait, je crois que c'est le meilleur truc qu'on a goûté, en fait. Ça et les trucs Pikachu. Les trucs Pikachu aussi étaient bien et les trucs Hello Kitty. Donc, en fait, c'est ça notre classement truffe, Pikachu et Hello Kitty. Tu veux qu'il y a des goûts de luxe. Truffe. Ça, on est tout en parisienne, on mange à la truffe. Donc en pire ça, parce que ça te pète les dents, ça te coûte 150€ de dentiste. Moi je mettrais les trucs à la rose ou les Mikado. Parce que bouffer des chiottes c'est génial mais non merci. Ouais. En dernier moi je mettrais des chips d'oignons. Ouais, mais même celle-là, c'était soit on sentait trop d'oignons, soit on sentait l'huile. Mais encore une fois, ce que je m'en souviens bien, c'est que bah du coup tu découvres des trucs de différentes cultures. Quoi. Attention pour le Cheetos de haricot vert quand même, qui était pas si mauvais que oui, ça. Oui, pour un Cheetos qui reste sous le canapé pendant 3 ans. Quand même, je sais pas, il y a un truc qui me plaît, je ne sais pas quoi. Il y en a un petit bonus pour le haricot vert. Allez, petit truc bonus. Encore une fois, merci Woobox de nous avoir envoyé cette petite boîte pour la tester devant vos yeux ébahis. Là, vous avez faim maintenant. Oh putain, grave, moi j'ai le croc. Ben en fait, j'aimerais bien savoir, toi, quel est le truc le plus jelou que t'as bouffé dans n'importe quel pays en fait. Parce que je sais très bien que nous, par exemple, si on leur donne qu'on bouffe nous en France, les Japonais vont tirer la gueule et inversement, les Américains, tu vois. Le truc le plus dégueulasse de la cuisine française. Ouais, ce serait quoi qu'on leur donnerait? Genre leurs andouillettes ou les tripes ou autre. Ah, bah c'est carrément les escargots ou les cuisses de grenouille. Ah, bah tu vois, j'aime bien les escargots, même les cuisses de grenouille. Non, mais par exemple, je sais pas, genre tu donnes à un Japonais des tripes, tu regardes chelou, tu vois. Non, mais même tu bouffes. J'avoue que même nous, les tripes, on te regarde en mode. Moi j'y mangerai pas donc. Enfin voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Sinon, merci d'être de plus en plus nombreux. On a fêté les 35 000 sur la chaîne, c'est juste ouf. Merci de me supporter toujours plus nombreux. Parce que ça, encore une fois, c'est pas un cadeau. Hein. Si vous voulez que Marie revienne faire une autre dégustation. Oui, j'ai faim. N'importe laquelle. Je ne viens que quand il y a à bouffer en fait. Sur ma chaîne, laissez a big thumbs up, comme disent les Américains. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Sur ma chaîne, 2, 3. Attends. C'est comme ça. Hop. D'accord, c'est un dab à l'envers en fait. C'est ça. Attends. La bise. Alors attends. Je ne sais pas comment. Okay.